La lutte contre la maladie à coronavirus passe par l'observance des gestes barrières, moyen de prévention le plus efficace. Une dimension bien comprise est mise en pratique par un groupe de clans domaines et stationné à quelques mètres de l'établissement Orbor 5 sur 5 à Chagua dans la commune du 7e arrondissement. Ici, à l'aller tout comme au retour, chacun doit désinfecter son engin et c'est pour éviter tout risque de contamination. Quant aux clients, ils sont soumis de manière systématique au lavage de mains avec du savon et de l'eau de Javel et au port du masque de protection. Dans le respect des gestes barrières, ces transporteurs sont exigeants, comme le dit Tchindébé Emmanuel, l'initiateur de cette œuvre. Lorsque nous recevons un client, on se lave d'abord les mains, on nettoie aussi nos engins avec et on donne aussi à nos clients de se laver les mains avant qu'on les remorque. Beaucoup de nos frères clans domaines ignorent l'existence de cette maladie et ne veulent pas respecter les mesures prises par le gouvernement. Nous lançons un appel à toute personne de bonne volonté de venir nous aider afin qu'on puisse sensibiliser les autres qui ignorent encore l'existence de cette maladie parmi nous. L'élan des clans domaines de cette station du quartier Chagua est bien apprécié par les clients. Pour éviter la maladie, il faut qu'ils lavent leurs mains avec eau de Javel et du savon et porter du cache-nez. Si certains clans domaines sont conscients du risque de contamination, d'autres ne mesurent pas les dangers qui les guettent. Moi, je ne comprends rien. Souvent, je vois les amis faire ça, mais c'est aujourd'hui que je les ai vus en train de faire ce genre d'actes. Je crois que je vais acheter le mien aussi. Pour le moment, je n'ai pas encore d'argent. Cette initiative de ces jeunes participe à la lutte contre la propagation de cette maladie. Un exemple qui doit inspirer d'autres transporteurs.